Mambo le lion. Un conte sur la paresse et l'indolence. Mambo était un lion à longs poils, de couleur fauve, comme la couleur de l'herbe sèche africaine. Quand il se reposait, chose fréquente chez lui, il ressemblait à un roi sur son trône ou à un magnifique lion sculpté gardant un temple. Et quand il se levait, chose rare chez lui, ses muscles ondulaient dans son énorme dos. Son rugissement n'était que l'appel d'un souverain puissant, exigeant l'obéissance de tous ses sujets dans les vastes plaines. En effet, Mambo était un très beau lion. Mais il était aussi très paresseux et arrogant. Il avait décidé depuis longtemps qu'il ne lèverait pas une patte pour faire quoi que ce soit. Ses trois épouses s'occupaient de lui et cet arrangement lui plaisait bien. Avec un grand bâillement, il roulait sur un côté et s'allongeait à l'ombre. « Éloignez les mouches !» disait-il. « Promenez les enfants, que le souper soit prêt à l'heure !» Ses épouses lui choisissaient toujours l'endroit le plus ombragé pour se reposer. Pendant qu'il dormait, elles obligeaient tout le monde à garder le silence. Elles élevaient les enfants et les éduquaient à respecter leur père. Elles chassaient pour son souper, qu'elles tenaient toujours prêt à son réveil. En contrepartie, Mambo laissait échapper de temps en temps le rugissement habituel pour protéger sa famille du danger, jusqu'au jour où tout changea. C'était le jour où les épouses entendirent les gnous bavarder. Elles rampaient vers le troupeau, se déplaçant sous le vent et très bas sur le ventre pour empêcher les gnous de les repérer. « Ces pauvres lionnes, elles sont à plaindre !» disait un des gnous. « Elles sont les esclaves de ce lion. Chaque jour et toute la journée, elles gèrent le foyer, élèvent les enfants, gardent la table dressée, s'assurent du confort du lion. L'avez-vous déjà vu lever une patte pour les aider ?»« Ah, pas lui !» Les épouses se regardèrent. « L'ont-elles jamais vu lever une patte pour les aider ?»« Sûrement pas. Pas une seule fois. » « Mais quelle bonne idée !»« Il pourrait aider à faire la vaisselle !» suggéra l'une d'elles. « Accompagner les enfants à l'école !» dit une autre. « Préparer son propre déjeuner !» ajouta une troisième. « Il ne saurait par où commencer » dirent-elles en chœur. « Sans nous, il est absolument nul !» C'était le jour où les épouses décidèrent de faire leur valise et de prendre de longues vacances avec les enfants, sans Mambo, qui découvrit très rapidement qu'il ne savait pas par où commencer. Il demanda aux hyènes de lui apporter de la nourriture. Mais quand elles s'exécutèrent, il était clair qu'elles s'étaient réservées tous les meilleurs morceaux. Il demanda au pique-bœuf d'arranger sa crinière hirsute. Mais ils lui arrachèrent les poils pour leur nid et ça lui fit mal. Personne ne semblait avoir assez de temps pour aider Mambo. Il ne tarda pas à perdre son aspect brillant et charnu et devint plutôt triste et débraillé. Et même s'il ne voulait pas l'admettre, il se sentait un peu solitaire aussi. En fait, le temps que les épouses reviennent de leurs vacances, Mambo était déjà dans un état lamentable. Les épouses étaient revenues potelées. Mambo n'était pas avec elles pour manger presque toute la nourriture et les meilleurs morceaux aussi. Elles étaient intelligentes et avaient passé leur temps à se pomponner, délaissant leur mari paresseux. Il était clair que les choses devaient changer. Mambo râla un peu, mais finalement, quand il se mit à aider aux tâches ménagères, les meilleurs morceaux de viande revinrent à lui de nouveau. Bientôt, Mambo apprit qu'il devait faire sa part du travail. Alors, les autres l'aideraient aussi.